dans la lutte contre le viol sur mineur dans la commune de Matoudi. De Kuntia, celle de présenter et de soutenir un mémoire pour obtenir son diplôme de fin de cycle. Honorable membre du jury, distingués invités, face à l'ampleur et à la persistance croissante des phénomènes de viol, une réflexion approfondie à travers la communication s'avère nécessaire. Ainsi, pour en arriver à des actions cohérentes et pertinentes, une démarche à travers la communication constitue un préalable important pour appréhender les phénomènes, ses manifestations, ses causes, ses conséquences, en vue d'envisager des initiatives crédibles de lutte. C'est pour une telle raison que nous abordions cette problématique en se basant sur les questions de recherche ci-dessous. Question principale, quelle est la contribution de la communication dans la lutte contre le viol dans la commune de Matoto? Question spécifique, quels ont été les principaux acteurs de la communication dans la lutte contre le viol sur mineur dans la commune de Matoto de 2019 à 2022? Quels sont les outils de communication utilisés par les acteurs impliqués dans la lutte contre le viol dans la commune de Matoto? Répondre à ces questions nous a permis de faire des suppositions de réponse. Hypothèse principale. La communication de proximité a moins contribué dans la lutte contre le viol sur mineur dans la commune de Matoto. Hypothèse spécifique. Les canaux de communication utilisés dans la lutte contre le viol dans la commune de Matoto sont la radiodiffusion, la télévision, les réseaux sociaux. Nos objectifs. Notre objectif principal consiste à démontrer le rôle de la communication dans la lutte contre le viol dans la commune de Matoto. Nos objectifs spécifiques consisteront à identifier et analyser les outils de communication utilisés par les acteurs impliqués dans la lutte contre le viol, à proposer des actions de communication permettant de contribuer au changement de comportement des différentes couches sur le viol dans la commune de Matoto. Ainsi, pour atteindre nos objectifs, nous avons structuré notre mémoire en 4 chapitres. Dans le chapitre 1, nous avons traité du cadre conceptuel et méthodologique de recherche. Dans ce chapitre, nous avons d'abord défini les concepts clés que sont communication, lutte, viol et mineur. Ensuite, nous avons décrit notre démarche de recherche axée sur la méthode mixte. Cette approche de recherche combine les méthodes qualitatives et quantitatives. La méthode qualitative, elle a été utilisée à travers l'observation, les entretiens réalisés sur le terrain et la recherche documentaire. Quant à la méthode quantitative, elle nous a permis de soumettre un questionnaire à notre population cible, de faire des études statistiques, tableaux d'analyse et données chiffrées. Dans le chapitre 2, nous avons présenté la commune de Matoto. La commune de Matoto est située à 11 km du port autonome de Conakry. Elle est, après Eratoma, 62 km², la plus grande et la plus peuplée des communes de la Guinée, 37 km², pour une population de 666 640 habitants en 2018, répartie entre 38 quartiers qui se subdivisent en 234 secteurs. Créée par ordonnance numéro 019-SGG-PRG-90, à l'instar des 33 autres de l'intérieur du pays. Les principales activités économiques pratiquées dans la commune de Matoto sont l'agriculture, le commerce, l'élevage, l'artisanat, le tourisme, l'hôtellerie, etc. Je vais laisser la place à Isa Flamarana. Merci pour votre attention. Honorable dame du jury, dans le chapitre 3, nous avons fait le diagnostic de la situation de communication du viol sur mineur. Dans ce chapitre, nous avons identifié et analysé les formes de communication utilisées, les outils et les actions de communication réalisées. Et 15 cas en 2022. 80 personnes ont été touchées, dont leur tranche d'âge varie de 15 ans à 59 ans ou plus. Diverses sources énumérées par les enquêtés, dont les principales causes sont entre autres, 21% ont évoqué le mode vestimentaire, 25% ont identifié la consommation de stupéfiants, 24% ont déclaré l'abus de force ou de violence, 30% ont évoqué le plaisir sexuel. Toutes ces actions de viol ne peuvent pas rester sans conséquences.
Celle évoquée par les enquêtés nous fait comprendre que 24% ont évoqué l'abandon parental, 26% ont déclaré la perte en vie, 24% ont évoqué l'hémorragie, 19% ont identifié les blessures et déchirures vaginales, 7% ont évoqué le rejet ou la fuite dans la société. Ce diagnostic nous a permis d'identifier les acteurs de prise en charge des victimes de viol. Donc, 55% ont identifié les parents, 25% ont évoqué les ONG, 16% ont déclaré les autorités et 4% ont évoqué les institutions. Il ressort diverses réactions adoptées par nos enquêtés face à une situation de viol, entre autres, saisir la justice, contacter la police, frapper le coupable, régler en famille, souhaiter se taire. Concernant les outils d'information, nos enquêtés ont souligné la radiodiffusion, la télévision, les réseaux sociaux et les forces de sécurité. Nous avons trouvé utile de la matrice SWOT pour attirer l'attention de tous les acteurs concernés. Honorables membres du jury, distingués invités, nous avons proposé une stratégie de communication qui pourrait lutter contre le viol sur mineurs tout en mettant en place les outils et les actions de communication qui serviront les autorités, les ONG et les partenaires. Les cibles sont réparties comme suit. Cible première, les mineurs, les enfants et les adolescents. Cible secondaire, les autorités administratives et locales, les institutions, les professionnels de la santé et les parents. Cible de relais, les médias publics et privés suivis dans la commune de Matoto, les leaders d'opinion. Notre recherche nous a permis d'identifier un seul axe qui est la communication pour le changement de comportement. Ce axe se déclinera sur les activités d'éducation, de sensibilisation et de mobilisation. Comme moyen de communication, nous avons choisi la communication interpersonnelle, entretenir des contacts individuels, la communication de groupe, se mettre en relation avec plusieurs personnes, la communication de masse par l'utilisation de la radio, la télévision, la presse pour sensibiliser la population. Et enfin, la communication digitale, entretenir des relations avec les internautes. Les indicateurs de suivi et d'évaluation de ce plan seront les procès-verbaux pour toutes les activités concernant les formations, les conférences et les réunions de plaidoyer. Le média planning pour les activités médiatiques, le relais communautaire permettront de suivre la réalisation des activités de communication en temps réel. Le rapport des activités de communication, il permettra d'évaluer le taux de réussite de la campagne, dont le coût global est de 2 202 600 000 francs guinéens. Honorables membres du jury, comme toute recherche scientifique, nous avons été confrontés à une certaine difficulté, comme la non-disponibilité de certains chefs de projet, le tabou lié au sexe, la réticence de la population, l'insuffisance des moyens financiers et de déplacement. Malgré toutes ces difficultés, beaucoup d'efforts ont été consentis par les autorités administratives et communales, également au sacrifice de nos parents et encadreurs de l'ISIC, tant sur le plan éducatif qu'instructif. Nous sommes conscients du fait que notre étude présente des limites. Toutefois, ce travail n'est pas exempt de critiques, car l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. C'est pourquoi nous restons ouverts à toutes vos suggestions, critiques et recommandations. Honorables membres du jury, en arrivant au terme de nos études supérieures aujourd'hui, nous saisissons cette occasion pour exprimer nos reconnaissances et profonde gratitude au Tout-Puissant pour la santé, la volonté et la détermination qu'il nous a accordée pour bien mener cette recherche. Nos remerciements s'adressent à M. Owo Vieux-Collier, notre directeur de mémoire, et M. Hippolyte Batumbla Camara, co-directeur et chef de département communication à l'ISIC de Kuntia, pour leur engagement, détermination et disponibilité, sans lesquels ce travail n'aurait pu être réalisé. À professeur Guéna Barry, directrice générale de l'ISIC de Kuntia, et ses collaborateurs pour les multiples services entrepris en faveur des étudiants. À M. Mamadou Keita, administrateur général de la cité, pour ses conseils et orientations. À l'ensemble du corps professoral de l'ISIC de Kuntia pour leur dévouement dans notre formation, afin de faire de nous des cadres compétitifs. À Dr. Aimé Manimou, médecin à l'hôpital National Nia Sidine de Conakry. À nos tuteurs pour leur soutien matériel et moral durant notre cursus universitaire. À nos parents pour leur soutien et l'éducation de qualité.
Nous dédions ce présent mémoire de licence professionnelle à nos pères Mamadou Gam Baldé et Souleymane Ba, à nos mères Ramata Diallo et Mamaïssata Touré, enfin à tous nos amis de promotion, de communication et de journalistes de l'Isique de Kountia. Merci pour votre engagé dans la définition des concepts. Regardez, vous avez parlé de théorie sociologique, hein? Vous avez parlé de juridique, psychologique, mais aussi l'évolution et de la recrudescence du viol. Stratégique, c'est comme si ça ne concerne que le plan. Quand il n'y a pas de plan sans stratégie. Donc, débarrassez-vous, ce n'est pas vous seulement, débarrassez-vous de cette expression plan stratégique. Proposer une stratégie de communication. Nous avons mis des outils et des actions permettant vraiment de contribuer à la lutte contre le viol dans la ville. Donnez quelques minutes pour délibérer. Attribuer maintenant une mention à nos deux candidats. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pas par hasard. On va dit tout à l'heure que les deux candidats sont rejetés, que leurs travaux de mémoire sont rejetés, ou bien qu'elles ont telle ou telle mention. Nous le faisons en fonction des critères bien définis. Cela dit, je vais demander, avec la permission des autres membres du jury, je vais demander humblement à l'assistance de se tenir debout. Le 27 janvier 2024. Décision de soutenance. Thème: communication dans la lutte contre le viol sur mineur dans la commune de Matoto de 2019 à 2022. Candidate: Aissatou Lamaranakba et Aissatou Bobo Baldé. Ici présente. Encadreur, Monsieur Wowo Vieux Coulier, Monsieur Hippolyte Bantoumla Kamar. Membre, président, Dr Mamadi Yaya Cissé, vice-président, Monsieur Younoussa Souma, rapporteur, Monsieur Lancé Kondé. Délibération du jury. Le thème traité est d'actualité. Les candidates ont fourni des efforts appréciables dans la collecte, le traitement et la défense de leur travail. Toutefois, le jury a constaté quelques faiblesses de fond et de forme. Accepte le mémoire et déclare les candidates admises avec la mention « bien ».